Ceci est un message de Marine Le Clériot. Marine Le Clériot nous dit que c'est le 5e épisode du vlog du voyage à Nancy, en Allemagne, etc. Bon visionnage. Yo les gars, c'est Clériot, adias X Future Gameplay. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, avant-dernier jour du vlog, 5e jour. Aujourd'hui, on va visiter aller se promener au parc Stanislas encore. Et cet après-midi, on va se promener au Luxembourg. Du coup, voilà, 5e jour du vlog. Je suis encore jamais allé au Luxembourg et personne de ma famille, donc du coup, on va aller visiter ça un petit peu. Là, je prends mon petit déjeuner, petit sandwich avec petit jus, avec petit lait céréales. Donc, allez, je mange et on se retrouve juste après. Donc, les gars, finalement, on n'a pas été au parc, on est resté, donc là, on est parti pour Luxembourg, on va rester toute l'après-midi. Regardez. On va rester toute l'après-midi au Luxembourg. On va se promener et voir des trucs. Donc, allez, là, on va se préparer pour sortir et aller dans la voiture. On se retrouve quand on ira. Et c'est parti. Alors, désolé, il y a un petit peu de bruit. Là. Là, on est sorti de l'appart. Là, on va dans la voiture. Donc, c'est parti pour aller au Luxembourg. Puis après, on va aller un petit peu en Allemagne après pour voir encore. Donc, je vous filme ça. On va passer l'après-midi là-bas. Donc, allez! On est arrivé, regardez. On est prêt pour y aller, j'ai le masque. Il y en a qui est juste devant nous. Bon, on est en premier, ça c'est sûr. Nike déjà. Oh, c'est hyper grand, ça continue là-bas encore, là-bas, là-bas, jusqu'à là-bas. Donc, c'est très grand et on découvre ça tout de suite. Et du coup, là, on est à Mahmoud. Donc là, on regarde les choses. Là, c'est plus hiver et tout. Bon, pas trop, mais vous regardez quand même, voilà. Là, ça part allemand partout, hein, ne vous inquiétez pas. Par contre, c'est de la bonne qualité, hein. Je parle pas trop fort, je suis désolée. Là par exemple, donc, je regarde et je vous dis des nouvelles, les gars. On est sur Timberland. Regardez. Timberland en Allemagne, il n'y a pas mieux. Voilà, mais c'est sûr. Regarde, je parle pas trop fort, je suis désolé. On va essayer ce t-shirt. Ma taille parfaite. On va essayer de voir s'il me va. Donc je vous donne le rendu. Allez. Regarde le rendu de ce t-shirt, regardez. Parfait.
Donc moi je trouve bien, hein, bon. 28 euros, bon franchement. Les soldes chez en Allemagne, mais tu peux faire de tellement bonnes affaires. 28 euros, c'est à l'envers. 28, voilà. Que je pense que je vais me payer ce petit t-shirt. C'est bon, oui. On se plaise, hein, les mecs, hein. Ça fait déjà deux achats, à Puma et à Timberland. Donc Nike, je suis déjà un petit peu dégoûté si c'était fermé. Donc on regarde, hein, on regarde, on regarde. Petit t-shirt de sport. C'est vraiment pas mal, Salomon. Oh putain, oh, j'ai le pire masque du monde, les gars. J'ai carrément le pire masque, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc, les prix, c'est vraiment pas cher ici. Hein. Alors, allez, sortez les gens. Je sais pas si vous avez vu. Attends, j'arrange. J'arrange ça, là. Alors, carrément, nous avons du Puma. Oui. Timberland. Moi, j'ai pris des chaussettes à Puma. Et chez Timberland, j'ai pris un t-shirt. Et mon père a pris des bottes. Ah, par contre, c'est tellement pas cher ici, c'est trop bien. Là, on est juste devant du K. Meyer. Magasin de chaussures, de ceintures et tout. Vraiment, vraiment bien. Hein. C'est complet, son commercial. Il y a Tommy Hilfiger, Diesel, Adidas, Puma, Marvelis. Je n'ai pas vu, désolé. Et si vous n'entendez pas trop, c'est à cause de mon masque. Hein. Vraiment le pire masque du monde, masque lavable. Mais bon, ça, c'est un masque lavable. Mais vraiment pire masque. Hein. Tout le monde dit, oh, c'est qui ce gogol qui est en train de se filmer, là, là. Oh, le mec se prend pour qui, là. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux, les gars, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me mettre à poil dans la rue, je mets à poil dans la rue. J'ai envie de me filmer, je me filme. Et voilà, qui veut me juger? Personne. Ce qui veut me juger, il se prend une patate, tout simplement. Putain, je vais pas parler fort, c'est chiant, les mecs. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas trop, je suis un petit peu dégoûté. Ne m'insultez pas en commentaire, s'il vous plaît. Donc, on regarde, on regarde. J'espère que je vais réussir à sortir d'ici avec une petite paire de baskets, ça va faire. J'aime bien. Pas vraiment basket en vrai. Petite paire de chaussures chic et tout. Stylé. Donc, j'attends mes parents. On va aller encore dans un petit magasin. Ouais. Ce qui est chiant, c'est que le masque il est obligatoire. C'est ça qui est énervant. Tout le monde est avec un masque. Ah, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est vraiment bien. En plus, je parle allemand avec les autres. Du coup, c'est vraiment très bien. Venez visiter, c'est gratuit. Venez avec moi. C'est comme vous voulez. Bon, allez, à Lacoste, c'est parti. Lacoste. Voici tous les polos qu'il y a. On regarde, je pense pas que je vais prendre un truc, mais bon, je regarde. Le petit crocodile. Attends. Je regarde s'il y a des trucs de ma taille là et je regarde. Ça c'est tout en vrac. Ah voilà, je vais pas parler trop fort. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a, les mecs. Coucou! Notez sur 10 ce pull, enfin ce t-shirt pull en commentaire. Oh, c'est polo. Adidas. Adidas. Regardez. Je regarde les maillots. Je regarde les trucs. Vraiment trop bien. Pas cher, 44 euros maillot. C'est un vrai maillot en plus. Petit crampon. Je veux du balayer. Tu vois, c'est trop bien ici.
vraiment trop bien, centre commercial. Vraiment y aller. Hein. Allez, j'ai pris des crampons chez Adidas parce que mes crampons commençaient à être trop petits. Du coup, c'est parfait. J'ai pris. Je suis assez content, je suis content. En plus, c'était les derniers. Enfin, je crois que non, c'était pas les derniers. Avant les derniers qui venaient de sortir. Du coup, je suis assez content. Donc là, je prends des photos un petit peu pour ma mère parce qu'elle voulait des photos des nouveautés chez les femmes. Et on se retrouve tout de suite dans un autre magasin. Allez. Est-ce que plus rien? De remonter un niveau. Plus rien. Tu pourras aller remonter. Là, on a fini la petite pizza. Là, on regarde encore les magasins. C'est 16h30. Et ben voilà, on regarde. Petite valise là. Samsonite, je viens. Petit sac, petite valise. Oh, elle est pas mal, elle. Ah oh, ouais, elle est pas mal. C'est vraiment grand ici. C'est bon, ils sont partis. Ah bah ok, bon, allez, on y va. On est à The North Face, normalement vous connaissez. Ouais, vous connaissez North Face, alors c'est t-shirt, ça fait des vestes, t-shirts, chaussures et tout. Là, je regarde, il y a vraiment le bon truc, j'aime beaucoup. Je parle, désolé si vous m'entendez pas trop, c'est parce que il y a beaucoup de monde et aussi beaucoup de musique. Et elle est forte en plus, du coup. Et je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ce petit t-shirt. North Face, vous connaissez tous. Ah, les kawaii, c'est pas mal ça, ouais, les kawaii, c'est pas mal. C'est pas un placement de produit, je vous rassure. Là, je suis dans la partie des trucs. Mika, oui, regardez. Les doudous. C'est pas cher quoi. Si, si je regarde, c'est tout beau. Si je regarde, c'est cette boule par exemple. Si je regarde. Allez voir le prix de ça, le prix de cette de ça par exemple. 35 euros. Ça va, on est bien là. Pas ce t-shirt, pourquoi vous. Alors, faisons voir les t-shirts militaires là. Ouais, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 14 euros le t-shirt. Bah, j'aime bien. C'est en solde tout le temps ici. Si je regarde le prix de cette doudoule. Désolé, vous m'entendez pas. Oh, mais je vois pas le prix, c'est chiant. Ah bah voilà, attends. Ah. Ah, j'ai pas vu. Bon bah. Pas grave, hein. Je regarde, je regarde. Moi, c'est costume. Regardez-moi ces costumes. C'est pour les adultes hein, là. Donc ouais, c'est pour les adultes, mais bon, je regarde. Je regarde quand même. Le Strelson, magasin pas mal. Allez voir. Silver. Ah, ouais. C'est vraiment pas mal ici, pour vous cacher. Encore beaucoup de musique, je suis désolée. Oh, c'est plus là. Ça me tonnerre, enlève-toi par contre. Ah, mais. Ah, voilà.
Uni ou Quicksilver. Comment? Les mecs, c'est mal fait dans l'après-midi ici. C'est parce que c'est vraiment bien, c'est normal. Hein. Donc je regarde les trucs, hein. Je regarde les trucs. Je vais essayer. Non, en vrai, on... je pense qu'on a pris de bonnes choses hein, ici. Hein. Vraiment, un des meilleurs centres commerciaux. Hein. Un des meilleurs, et largement. Ouais. Donc, c'est à voir, hein, les mecs. Hein. Bon, je vais chercher un coup de silver. Hein. Allez. Bon, bah, on y va. C'est bon, ils sont partis sans moi, là. Ah ouais, mais ils sont partis sans moi, bande de bâtards. Ok, du coup, les mecs sont partis sans moi. C'est très méchant. Ah, c'est bon, ils sont là. Allez, on va les rejoindre. Alors, les mecs, qui a déjà vu un polo Ralph Lauren? Polo Ralph Lauren, les mecs. 24,99€. Mais je suis bien chez Polo Ralph Lauren, hein, les mecs. Hein, c'est le magasin officiel chez Polo Ralph Lauren. Vous pouvez le voir. Je vois des trucs... pas cher du tout, mais what the... Attends, alors. Alors. Non, attends, où je peux aller? Tellement pas cher ici les gars, c'est tellement pas cher. Alors M, ma taille, voyons voir. Ça c'est un jogging. Oh non, 84. Bon, le prix original c'est, 100, c'est 109€ quand même. Tiens. Mais ouais, mais... les réductions c'est tout le temps en Allemagne, c'est tout le temps. Polo Ralph Lauren. Oh non, là. Oh, 5€. Moi, je trouve que c'est un petit peu cher. Mais bon, mec, j'ai vu des polos à 25€, les mecs. 25€, putain de polo, c'est pas possible. Okay. Franchement, ici, les best magasins. Mais c'est vraiment une meilleure chose commerciale, en fait. Non, il n'y a pas le prix, donc je peux l'arrêter. Bon, meilleur magasin pour Polo Lorraine. Allez, c'est bon. Ça avec les Converse. Avec les Converse. Ah, magnifique, 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 magnifique. En plus, il y a de grosses réductions. Grosses réductions en plus. Du coup, c'est parfait. Regarde. Regarde ça. C'est pas mal en vrai. Hein. Là je trouve pas mal. 40€, ça va. C'est des réductions. Hein. Bon, j'aime beaucoup. Hein, hein. Réduction sa mère par contre. Ah ouais, c'est trop bien. On est vers les derniers magasins. Donc du coup, c'est les derniers. On va. On profite, je pense, je vais acheter un truc à Converse. Hein. Un t-shirt, un truc, mais je vais en acheter, hein, je dis tout de suite. Parce que... oh mec, les prix, 20€, les mecs, c'est vraiment en profit. Je prends L les gars, vous comprenez? Je prends L. Mec, c'est vraiment complet ici, c'est complet. C'est complet. Oh, je pense que j'aurais dû prendre le polo Ralph Lauren, là, genre, le t-shirt là, 25 sur la réduction. Et du coup, je pense que j'aurais dû le prendre, je sais pas. C'est pas grave, hein, quand... ouais, c'est pas grave, c'est pas grave.
Mais en tout cas, de tout ce qu'on a acheté, je suis content. Alors, je vous montre ce qui est à ça, moi. C'est à moi, les converses que j'ai achetées, je vous l'avais dit. Les Adidas, les crampons que j'ai achetés. Le petit sac que j'ai acheté. Et non, ça c'est à mon compte. Pour mon t-shirt, au fond. Donc ouais, c'est carrément moi qui ai tout acheté. Donc. Ah, la YouTube Money, elle est bien ralasse. Hein, du coup, je suis content de mes achats, mais j'ai pas acheté pour rien. Mais c'est parfait. Hey! Oh, il est dangereux, baba! C'est toi, Félicia. 170. Et c'est toi. Ah, ça baisse. Oui, c'est toi, comme il faut aussi. Oh là là. Oh, c'est bon. Oh, la distancée, la voiture. C'est bon. Stop. Un jeu. Ah ouais? Non, mais c'est Là, on va se faire un petit resto. Voilà, petit resto, puisque demain c'est la fin. Donc là, on peut voir les restos qu'il y a. Et, je vous en dis des nouvelles. Petit mojito mangue. On est rentré, regardez tout ce qu'on a pris. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Donc là, il est 23h, bientôt 30, hein, 23h20. Bientôt 30, c'est la fin de ce vlog. Là, j'ai envoyé toutes mes photos à mon iPad pour après faire le montage et mettre l'avant-dernier jour du vlog en ligne. Donc c'est la fin de cette journée, j'espère que ce cinquième jour vous aura plu. On se retrouve demain pour la route. Hein. Demain c'est la fin. On va rouler encore pendant assez longtemps. Donc dernier jour et puis après ce sera pas totalement la fin parce que après on reste une semaine à la maison normale. Puis après on repart pour 2 semaines à Flamanville, c'est pas au même endroit. C'est vers Cherbourg, je sais pas si vous connaissez, vers... Peu importe, voilà, vous verrez. Donc, fin de ce cinquième jour, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager aussi, bien évidemment. Portez-vous bien et sur ce, les gars, peace!